Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors, mesdames et messieurs, on va parler un petit peu plus de divertissement. Il faut qu'on se libère l'esprit avec tout ce qui se passe, les trucs, les réformes, les manifestations, les guerres. Oh là là, il faut qu'on parle un peu de football. Et quand on parle de football, comment ne pas mentionner cet homme? Regardez ce style. Hein? Ça, c'est le style d'un capitaine de l'équipe de France. Pouce levé. Les jambes droites, il n'est pas là pour rigoler. Il dit bonjour à ses sujets, aux paparazzos, hein, à tous ces bambins là, tous les enfants, ses coéquipiers. Tu vois comment il arrive, lunettes de soleil. Il rentre dans le camp des loges. Il n'enlève pas ses lunettes. Voilà. Il va enlever ses lunettes devant les gens qu'il respecte seulement. C'est-à-dire sa famille et le reste, il n'a plus rien à faire avec eux. Donc là, on compte sur toi, Kylian Mbappé, pour démanteler tous les clans nauséabonds qu'il y a dans l'équipe de France. Je ne vais pas citer de nom, mais les clans pourris qui sont venus gangréner, hein, et moisir la base de l'équipe de France. On compte sur toi pour tout nettoyer et on sait que tu n'as pas ta langue dans ta poche. On le sait, ta langue, elle est partout. Elle est là, papa, papa, papa. En tout cas, Kylian Mbappé, nous sommes fiers et contents pour toi. Tu es l'un des plus jeunes capitaines de l'histoire de l'équipe de France. Oh là là, Kicks de Bondy, mais quelle carrière! C'est bon, tu peux prendre ta retraite! Ha! En plus, en ce moment, ça va faire parler de ouf si tu fais ça! Truc de malade, tu te rends compte? T'as même pas fait. Là, ben, ça y est, ça fait combien de temps que t'es professionnel? Bien, ah, il te reste encore 2 ans et tu peux prendre ta retraite. Franchement, ce serait un coup médiatique de malade. Oh là là, en tout cas, on peut voir que Kylian Mbappé vit absolument bien le fait d'être nul avec le Paris Saint-Germain. Ça va, il n'est pas trop impacté par ça. Je suis content pour lui. Dans tous les cas, c'est le PSG qui est nul, hein. Après, lui, il peut pas tout faire tout seul, hein. Voilà, donc là, il va arriver en équipe de France et on le voit et on le sent beaucoup plus détendu. Et on sait aussi qu'il va commencer à recruter un petit peu pour l'année prochaine. Ça veut dire que les joueurs susceptibles de bien jouer en équipe de France, vous pouvez arriver au Paris Saint-Germain avec un bon salaire. Donc, vous avez tout à gagner à avoir Kicks de votre côté, hein. Voilà, après, je peux dire n'importe quoi, hein, mais bon. Soyez cool avec lui, hein. Ne lui mettez pas des bâtons dans les roues parce que sinon le peuple va s'énerver. N'oubliez pas d'où il vient. Il vient de la Seine-Saint-Denis. Bondy. Kiki de Bondy. Donc là, on n'est pas là pour rigoler. Là, c'est un membre du peuple qui a le brassard du capitaine. Donc vous n'allez pas commencer à faire des je sais pas quoi, à parler mal de notre capitaine. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est quoi ça? Je les vois déjà venir là.